Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Mini Blob et River. Salut. Et nous vous accueillons en musique, et pour cause, puisque nous allons vous faire un gaming live d'un jeu tout particulier qui s'appelle Sound Shapes. Alors c'est un mélange de plateforme et de rythme qui est sorti à la fois sur PS3 et PS Vita, sur le PlayStation Store. En téléchargement. Pour la somme de 13€, ou enfin 12€ et des boîtes. Voilà, et je crois que ceux qui étaient abonnés au PlayStation Plus peuvent l'avoir pour moins 20%. C'est ça. Voilà. Il est sorti le 15 août, c'est pour tout public, vous allez voir, c'est très 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 sympa, édité par Sony, développé par Queasy Games. Et bien c'est parti, tu vas nous présenter cette OVNI, on peut parler d'OVNI je pense. Bah déjà le mélange effectivement jeu de plateforme et son, on va voir que c'est assez étonnant. Alors je commence avec on va dire la partie solo. On verra tout à l'heure l'aspect communautaire dans un deuxième GL. Donc aspect solo, en gros on va avoir des niveaux plutôt on va dire classiques. Où on va voir que la plateforme s'allie avec l'aspect musical. On va commencer notamment avec, parce qu'il y a des personnes très connues qui ont participé, et notamment Beck, qui a fait des morceaux musicaux. On va voir comment est-ce que musique et plateforme s'intègrent dans ce jeu. Est-ce que ça se rapproche un peu de Locoroco qu'on avait déjà vu sur les consoles Sony ou pas? Plus ou moins. Après, là vraiment, c'est vraiment la musique part. C'est la musique qui est vraiment au cœur de l'expérience. Alors, donc, t'incarnes cette espèce de petit truc gluant. Ouais. T'arrives dans un niveau. Le but, c'est juste d'aller au bout du niveau. Donc, relativement classique. T'as autant de ratifs que tu veux. Après, t'as une question de scoring. Tu peux essayer de mettre le moins de temps possible en prenant le plus de bonus possible. Et justement, ces bonus. Là, on n'entend pas beaucoup parce que tu vois, on entend chaque élément du décor va produire des sons. Donc là, les flammes font un petit crépitement là. Ouais. Et en fait, quand je prends des petites choses comme ça, ça rajoute une note. Voilà, t'entends ? Voilà, ça rajoute des notes à chaque fois. Et on va essayer d'en prendre pas mal. Oups. C'était pas la bonne idée, je viens de mourir. Et effectivement, l'autre petite particularité, c'est que chaque élément rouge est en fait mortel. D'accord. Voilà, donc il faut faire attention de pas. Mais bon, il y a beaucoup de checkpoints dans les niveaux de. Donc t'as vu, tac. À chaque fois, ça fait un son différent. On va essayer d'en attraper un peu plus. Là, ça c'est quoi? C'est un checkpoint? Ça c'est un checkpoint, ouais, c'est ça. D'accord. Exactement. Et là, tu vois que l'élément du décor aussi fait un peu de musique. Donc tu vois, ça rajoute un petit peu. Et donc en gros, le checkpoint sauvegarde des notes que tu as prises. Oui. Voilà. Tu sois pas obligé de tout de la retaper. Ouais. Alors... T'entends les missiles aussi font un petit bruit. Oui, tout fait du bruit en fait, tout ce qui bouge fait du bruit. C'est ça. Et du coup, c'est comme ça petit à petit que va se construire une musique. Et toi, plus tu avances, alors là c'est marrant parce que tu vois, t'entends le nuage, s'entend. Voilà, et il disparaît quand le. Ah, c'est très bien foutu. Ouais. Alors, et même les paroles sont des plateformes. C'est ça. Donc du coup, tout est exploité tant en termes de sound design que. Mais, de... Du coup, est-ce que les paroles ont une importance ou pas? On va le voir tout à l'heure sur certains. Oups. Ça après ça va dépendre des niveaux, les éléments du décor. On va voir tout à l'heure effectivement que les paroles ont des importances. D'accord. Alors là en fait c'est un petit truc un petit peu particulier qui se met à me renvoyer un peu loin. Te répulse quand il est. Ouais, faut que je me concentre un petit peu et que je fasse. En fait le blanc te répulse et le marron te. Alors tu l'as remarqué, ma petite bestiole bizarre, Roïd. Elle. Ah bah forcément, au moment où tu. Misère, je suis désolé. Donc, ma petite bestiole bizarre, vide, elle peut s'accrocher à pas mal de. Elle se scotche en fait. À tout, ouais. À un peu aux tout, murs, voilà. Aux objets. Alors, sauf à certains éléments du décor, notamment. Je vais pas y arriver. En finesse, je suis désolé, je rends pas honneur à ce niveau qui est excellent, croyez-moi. Oui, tout à l'heure, tu l'as fait en entier devant moi et. Voilà. Il est très 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 sympa. Il est sympa, notamment par son aspect musical, forcément, vu qu'on a Beck au son, c'est un vrai petit plaisir. Là, tu vois qu'il faut que je me dépêche parce que j'ai les bombes là qui petit à petit ajoutent du rouge à l'écran et c'est super dangereux. Donc bon là, je vais mourir. Ouais, donc on se retrouve avec donc une espèce de petit bidule qui s'agrippe un peu n'importe quoi, comme tu le vois. T'as vu que des fois je me mets en mode bille un peu plus ou moins. Non. Alors attends, je vais vous montrer ça. Là par exemple, regarde. Hop. Ah oui. Et alors là je m'agrippe plus. Par contre je vais plus vite. Plus vite. Ouais, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc il y a un petit élément de gameplay quand même. Voilà. Alors là tu vois, tu me parlais de paroles par exemple. T'as vu que là elles apparaissent là dans ces espèces de trucs. Ouais. On va le revoir. Voilà, tu vois. Alors là ça a juste un effet esthétique. On va le voir tout à l'heure. Ouais. Que des fois les paroles peuvent avoir aussi un effet. Waouh. Hop.
Mais c'est bien parce que même quand tu meurs, il n'y a aucune violence et ça, t'entends pas un gros bruit qui bousille la chanson. Et ça quoi. Continue en fait de boucler, donc en fait ça te permet de continuer pas perdre de profiter, le rythme. Voilà, et puis de continuer de profiter de la musique quoi. Ça c'est très bien, très bien joué aussi. En gros, effectivement, c'est tout le jeu fonctionne là-dessus. Quand tu récoltes des notes, en fait, ça fonctionne sur un système de boucles où tu vois que du coup, tu retrouves toujours. Les boucles se répètent. Alors des fois, tu vois, il y a des éléments qui vont te permettre d'annuler les notes que tu as déjà récupérées. Il y en a d'autres, au contraire, qui en rajoutent. Ouais. Tiens, et là, tu vois, tu disais par rapport au fait que certains éléments du décor ont, enfin, certains éléments de la chanson ont un effet, tu vois là par exemple. Ah oui, donc on voit en fait sur les plateformes le move, la plateforme bouge, voilà. Turn elle tourne, break forcément. Et ça correspond aux paroles. D'accord. Et donc du coup forcément, tu vas voir par exemple quand il dit hurt, et bien en fait la plateforme devient dangereuse. Elle devient rouge et faut s'en aller. Voilà, quoi. C'est ça, tu vois par exemple. Voilà. Et tac, ok. Voilà. Ah. Et franchement, c'est plein de petits éléments de gameplay comme ça qui sont sympas, qui sont intelligents. Alors. C'est pas seulement, on y reviendra tout à l'heure, là ça peut paraître relativement limité, mais on va le voir sur un second niveau, je vais quitter celui-ci, et je vous demande pardon pour l'expérience désastreuse. On vient de voir qu'il y avait 92 notes à récolter, t'en avais récolté que 36, ce qui c'est prouve ça. Que les niveaux sont quand même relativement longs. Ça dépend, celui-là se finit à peu près en 8 minutes, un truc comme ça. D'accord. Donc en fait, t'as, comme je te disais, t'as un choix d'album, en tout je crois que t'as une quarantaine de morceaux, ouais, pas mal. Enfin, à la fois de morceaux et de niveaux. Ça se fait assez vite. Hein. Ouais. Et alors là, je voulais te montrer celui-ci. Pourquoi ? Parce que donc c'est la musique de Jim Guthrie et de Jim Guthrie. Je suis désolé, j'arrache son nom. Et les graphismes de Super Brothers. En fait, c'est l'équipe qui était déjà à l'œuvre sur un certain Sword and Sorcery qui est sorti récemment sur PC. Un peu plus anciennement sur iPhone, ouais. et autres smartphones il me semble, et qui est déjà c'était un jeu qui valait pour son univers et graphique et sonore, et en fait là du coup ils sont associés avec les petits gars de Cuisy Game et pour nous faire quelque chose de tout simplement splendide. Carrément. Ah ouais, moi j'adore. Bah déjà leur univers graphique un peu particulier. Là ils revisitent, on va dire ce qu'est une entreprise. Mm-hmm. Et moi je trouve ça assez drôle. Mon Dieu, me dis pas Miniblob qu'il y a des actionnaires. Il y a des actionnaires. Non, il y a des vrai. Actionnaires. Si, si, ah si. Non. Si, si. Ah non, mon Dieu, non. Mais t'inquiète pas, on va leur en faire découdre à ces actionnaires. Non, mais du coup, il y a un univers graphique qui est sympa et une revisite. Voilà, c'est le premier niveau, tu l'as vu, il y en avait plusieurs. Ouais. Il y en a plusieurs dans le même univers graphique qui est de plus en plus déjanté. Et alors là, on retrouve des systèmes qui sont complètement différents. C'est ce que j'allais dire. Il faut taper sur la tête des gens pour actionner des plateformes. Le level design n'a plus rien à voir là, c'est ça. Avec ce qu'on a fait tout à l'heure. Et même en termes musical, ça n'a plus grand chose à voir quoi. Ouais. Voilà les actionnaires, tu vois, hein, ils font plus malin maintenant. Ouais, d'accord. Voilà. Mais sinon, on retrouve globalement le même principe, c'est-à-dire des checkpoints, des points à récupérer pour apporter de la musique. Finalement, c'est le même principe, mais du coup, un univers totalement différent. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois que tu termines ce genre d'univers, après, tu vas avoir tu vas pouvoir gagner les éléments de décor qui correspondent. Pour après toi te permettre de créer tes propres niveaux. Ouais, alors on verra dans le deuxième GL un peu plus en détail sur l'éditeur de niveau et du coup sur la seule différence entre la version Vita et la version PS3, elle tient une petite différence de gameplay sur l'éditeur de niveau. D'accord. On aura le temps d'en parler c'est tout à l'heure. C'est pour ça qu'on vous montre pas la version PlayStation Vita en même temps puisque ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est vraiment la même. Juste l'éditeur, bon ça se fait j'imagine avec l'écran tactile. Voilà, bon, on en parlera tout à l'heure okay. Un petit peu parce qu'effectivement il y a une petite différence et elle est peut-être un petit peu plus maniable sur Vita. De toute façon il faut savoir que quand tu achètes le jeu, donc 13€, je me demande si je l'ai pas dit tout à l'heure mais je leur dis c'est pas grave. Quand tu as dit 13€. Voilà, et bien en fait tu le récupères sur les deux plateformes. Voilà. Voilà. Donc c'est le fameux cross-buy cher à Sony dont ils nous ont notamment parlé lors de la Gamescom si vous étiez avec nous pour la conférence. Vous achetez le jeu sur une plateforme, vous l'avez également sur l'autre. C'est ça. Donc c'est vraiment très sympa pour le coup. Ouais, parce que du coup ça te permet. En plus les sauvegardes sont compatibles. Ouais. Donc mine de rien c'est. Hop. D'autres titres le font, et notamment Motorstorm RC, enfin il y en a plusieurs qui vont être amenés à le faire également.
et je pense que c'est un modèle économique qui va convenir à beaucoup de joueurs. Ouais, bah du coup ça joue sur la complémentarité des deux plateformes. Alors là, tu l'as vu, ce que j'essaye de faire, c'est que l'espèce de bloc là qui est là, j'essaye de l'amener là pour qu'en fait il me serve d'interrupteur et puis qu'il m'ouvre ma porte en bas à droite. D'accord. Voilà, donc tu vois, le niveau était assez court. Elle est finie là. Ouais, elle est déjà finie. Hop, il y a un actionneur avec un flingue. Voilà. Et donc là, on arrive à la fin du niveau. Non, vraiment, c'est une expérience particulière. Déjà en soi, pour tous les mélomanes en herbe, il y a de quoi se faire plaisir. Et on va le voir dans une seconde vidéo. Ça, déjà, c'était une expérience intéressante en solo. On va le voir qu'en fait, l'aspect communautaire rajoute vraiment quelque chose. Ah oui, juste pour terminer, une fois que vous avez fini donc, les différents niveaux, on accède à des défis qui, eux, sont vachement plus relevé. Voilà. D'accord. En gros, il s'agit en un temps très limité de récupérer un nombre défini de notes. Alors là, bon, là c'est vraiment du scoring et vraiment autant l'histoire est plutôt simple, autant les défis mettent vraiment. C'est dur. C'est du haut niveau. C'est du haut. D'accord, mini blob, très bien. Ah, tu t'es rapproché un peu parce que je trouve que tu t'en allais. Oui, oui, j'aime le proto. Bah, moi aussi. Allez, rendez-vous dans la seconde vidéo où on va vous montrer l'éditeur de niveau et 2-3 petites choses supplémentaires. Voilà. Donc, restez avec nous, à tout de suite. À tout de suite.